L'industrie dont je vais vous parler aujourd'hui est une industrie qui utilise ce principe de la recommandation et qui va permettre de gagner de l'argent. Ce n'est ni plus ni moins que le principe de la publicité par le bouche à oreille qui permet donc d'amener un produit de chez un fabricant à un consommateur final en éliminant les différents intermédiaires et surtout les frais de publicité. Alors, les riches cherchent et construisent des réseaux, les pauvres cherchent des emplois. Ce n'est pas péjoratif à l'encontre des pauvres, c'est un message qu'a passé un jour M. Robert Kiyosaki, que tout le monde connaît, qui est le gourou de la richesse, le célèbre qui a écrit Père riche, père pauvre, qui est un best-seller qui a fait le tour du monde et qui a créé une philosophie de la richesse, qui a aidé des millions de personnes dans le monde à changer leur manière de penser et à réussir. Et s'il a lancé cette phrase, ce n'est pas donc, comme je vous le dis, péjoratif à l'encontre des pauvres, mais c'est simplement un constat. Un constat que durant les 20 dernières années, les principales compagnies qui ont réussi à exploser dans le monde sont toutes des compagnies qui ont utilisé les principes de réseau. Que ce soit les réseaux d'entreprise à travers les principes qu'on appelle la franchise, que tout le monde connaît, ou que ce soit le marketing de réseau en lui-même. Le meilleur exemple d'une réussite en réseau, c'est ce jeune homme que vous voyez à l'écran, que tout le monde reconnaît, qui est le fondateur donc de Facebook, et qui, à 25 ans, est aujourd'hui le plus jeune milliardaire qui circule sur notre planète, avec une fortune qui a été évaluée à plus de 7 milliards de dollars par le journal Fortune, et ça, c'était avant que Facebook soit mis en bourse. Aujourd'hui, ça va bien au-delà. Et ce jeune homme, bah écoutez, il a fait ça sans absolument rien vendre. Et d'ailleurs, si vous êtes sur Facebook, il m'a chargé de vous remercier, car c'est grâce à vous qu'il est aujourd'hui milliardaire. Et pour ça, vous n'avez bien sûr pas été payé non plus, n'est-ce pas? Alors, si quelque part vous en avez marre de ne pas être payé pour vos recommandations, je voudrais maintenant vous présenter deux personnes qui, elles, sont prêtes à vous rémunérer pour vos recommandations, pardon. Ces deux personnes, c'est Wendy Lewis et Randy Ray, deux multimillionnaires américains, deux personnes qui ont plus de 40 années de succès dans les affaires. Pour vous donner une petite idée de la personnalité, Monsieur Randy Ray est le concepteur de certains logiciels de la NASA pour lesquels il a reçu pratiquement 300 millions de dollars de commission. Monsieur Randy Ray est donc quelqu'un qui n'a pas eu besoin du marketing de réseau pour devenir multimillionnaire, il l'était bien avant. Et c'est quelqu'un qui a été également choisi comme meilleur entrepreneur de l'année dans l'État de Floride dans les années 2003-2004. Et quand on sait que l'État de Floride, c'est quand même plusieurs millions d'habitants, on peut considérer qu'il y avait quelques milliers de concurrents, dont Walt Disney, et on n'a pas choisi Walt Disney, on a choisi Monsieur Randy Ray. Ce sont des personnes qui ont une très forte expérience dans l'industrie du marketing de réseau, qui est l'industrie dont je vais vous parler particulièrement aujourd'hui. Ils ont managé une entreprise qui s'appelait INC Market, qui hébergeait des jeunes compagnies aux États-Unis qui souhaitaient se lancer dans cette industrie et qui n'avaient pas les moyens financiers d'investir. Ils les hébergeaient sur leur serveur. Ils sont propriétaires de deux serveurs, chacun coûtant 1 million de dollars. L'un se trouve à Orlando et l'autre au Panama. Ceci pour justement sécuriser les informations. Au cas où il y aurait un problème d'un côté, on aurait la continuité de l'activité de l'autre. Et ils ont mené comme ça 15 compagnies à très très haut niveau, donc à des chiffres d'affaires en millions de dollars. En 2005, suite à la découverte d'un produit qui les a interpellés, car il permettait d'agir sur l'environnement, sur la planète, et comme ce sont des personnes qui sont motivées par l'environnement, sachant qu'ils sont parents et grands-parents et qu'ils savent que la planète est quelque chose qu'on va laisser à nos enfants et à nos petits-enfants, ils ont décidé de mettre leur nom et leur image et leur savoir-faire en avant pour lancer ce produit au niveau mondial, et ça a été un véritable succès. C'est à cette époque. Leur première compagnie avait 10 mois, que moi je les ai rencontrés, que je les ai connus et que j'ai décidé de m'engager avec eux. J'ai travaillé et je travaille toujours avec eux donc dans cette première compagnie. Et ensuite, j'ai rejoint
les autres compagnies, car aujourd'hui, ils sont propriétaires de trois compagnies de marketing de réseau. L'une, donc, c'est toujours celle qui est à l'origine de 2005, qui s'appelle FFI. La deuxième est une compagnie qui évolue dans le domaine des télécommunications. Et la troisième, c'est Genèse Global, qui a été fondée en septembre 2009. Genèse Global est née de la rencontre de Wendy Lewis avec un médecin, un chirurgien esthéticien qui s'appelle Dr. Newman, le Dr. Newman dont je vais vous parler un peu plus loin. Et ces personnes donc ont généré à ce jour plus de 75 millionnaires en dollars sur la planète, dont plus de 50 sont issus du groupe Genèse, distribués dans plus de 200 pays. Aujourd'hui, il y a pratiquement près d'un million de distributeurs dans le monde, dans le groupe, et ce sont des gens qui, de plus, s'engagent socialement. La compagnie a été classée par la DSA, c'est-à-dire par Direct Selling Association, qui est l'équivalent du syndicat de la vente directe en France, si vous voulez, a été classée 46e des 100 meilleures compagnies de la planète. Donc, nous sommes membres de ce syndicat, bien sûr, et Madame Wendy Lewis a été classée à la 11e place des femmes les plus importantes au monde dans cette industrie. Ils ont par ailleurs reçu récemment, en 2014, 6 awards et 12 Telly Awards par Fortune 500, rushés par par Business Awards, qui classent les compagnies et qui distribuent ces prix aux compagnies et entreprises du groupe Fortune 500, c'est-à-dire les plus grosses compagnies au monde, et en face de Google, Sony, Cisco Systems, etc. Nous avons reçu donc ces différents prix pour différents aspects tels que notre consommation, notre publicité Internet, etc., etc., l'utilisation d'effets visuels particuliers, etc. Et Madame Wendy Lewis vient de recevoir en plus récemment un nouveau prix de Business Award. Elle a été nommée la femme de l'année et Genèse Global a été nommée par Fortune 500 la compagnie ayant la plus forte croissance de la nation, je dis bien de la nation. Ils ont aussi des actions sociales et particulièrement l'une qui est très importante aujourd'hui, c'est Kid, Jeunesse Kid, qui est une association qui a pour vocation de nourrir 10 millions d'enfants, qui a été montée en partenariat avec Global Village, qui est une fondation qui est fondée par Mohamed Ali, l'ex-champion du monde de boxe, et Monsieur Yang Berry, qui est un prix Nobel de la paix. Cette association a distribué l'année précédente plus d'un million de repas. Donc, le siège de la compagnie se trouve aux États-Unis, en Floride. Alors, Altamont Spirit, c'est Orlando, hein, tout simplement. Les produits que nous distribuons sont des produits totalement exclusifs, entièrement formulés pour jeunesse, qui sont des produits à la pointe de la technologie aujourd'hui dans le domaine du rajeunissement. Et derrière ça, il y a bien sûr une offre je dirais, de business, une offre d'opportunité pour ceux qui souhaitent développer cette activité et distribuer ces produits autour d'eux. Ce système utilise donc aussi des infrastructures locales dans beaucoup de pays. Nous sommes implantés physiquement dans pas mal de pays aujourd'hui avec des bureaux locaux. Les dernières en date qui viennent de s'ouvrir, ben, il y en a un au Nigeria, un au Ghana et un au Kenya qui viennent de s'ouvrir très récemment. Nous commençons à nous implanter sur le marché africain. Donc, nous sommes extrêmement bien implantés au niveau de l'Afrique et nous allons commencer maintenant des opérations en Europe. Le docteur William Amzalag est la personne qui est responsable donc de la partie scientifique. C'est la personne qui vous fera donc des formations, etc., et qui vous expliquera le côté médical de nos produits. C'est un Français diplômé de l'université de Montpellier qui a aussi un avantage d'être quelqu'un qui connaît particulièrement bien l'industrie du marketing de réseau, puisqu'il a été lui-même à des postes de vice-président et de directeur général pour l'Europe de différentes compagnies dans le domaine des produits de santé. Le marché sur lequel nous sommes positionnés, ben c'est le marché bien sûr de la beauté et du bien-être, avec environ
un chiffre d'affaires estimé à 500 milliards de dollars, sachant que la portion anti-vieillissement est estimée à 100 milliards de dollars avec un taux de croissance de l'ordre de 8 à 10% sur les 10 prochaines années. Vous avez l'agence leader dans les études de marché Mintel qui dit que les ventes de produits anti-vieillissement et de soins de la peau devraient augmenter de 46% de 2010 à 2015 rien qu'aux USA. Sans parler du marché asiatique qui, lui, est en totale explosion avec la plus forte croissance mondiale. Aujourd'hui, donc, il existe des techniques, des moyens de ralentir notre vieillissement en commençant, bien sûr, d'où l'on se trouve et quel que soit l'âge que l'on a. Pour ça, Jeunesse a mis en place une ligne de produits que nous allons survoler maintenant rapidement. Premier produit, il a été mis au point par ce médecin qui est un spécialiste en chirurgie esthétique, le docteur Nathan Newman, qui est une sommité dans le domaine de la recherche sur les cellules souches. Ce médecin a créé un concept à partir, je dirais, de ses études sur les cellules souches adultes. Alors, qu'est-ce que c'est que les cellules souches? Ce sont des cellules qui ont un potentiel incroyable, c'est de prendre la forme et de remplacer n'importe quelle autre cellule spécialisée que nous avons dans le corps. Elles peuvent se renouveler donc indéfiniment et elles vont créer des systèmes de réparation même après des périodes de longue inactivité. Les cellules souches ont un code génétique, elles sont considérées comme une des plus grandes découvertes de la recherche anti-vieillissement de nos jours. Avec les cellules souches, c'est paru dans le Time le 28 mars 2011, qui était un jour anniversaire pour moi, on ne définira plus notre vieillesse en fonction de comment nous nous sentons, mais plutôt de comment nos cellules nous diront que nous sommes. Alors, le complexe qui a été mis au point par le docteur Nathan Newman dérive donc de ses études et est un complexe qui contient des facteurs de croissance. Alors, quel est le processus? On prend une cellule extraite de la graisse humaine. Elle est envoyée d'abord en laboratoire pour une inspection complète et recevoir un certificat d'analyse. Ensuite, on met en culture cette cellule qui va se reproduire donc de manière infinie. Et en se reproduisant, elle dégage un liquide qui permet aux cellules de communiquer entre elles, et dans ce liquide, il y a donc plus de 200 facteurs de croissance, et lorsque la solution est terminée, on extrait la cellule, parce qu'une cellule ne peut pas fonctionner, je dirais, en dehors, sur la peau par exemple, elle ne servirait à rien, donc on extrait la cellule, et on va seulement conserver ce liquide qui contient ces facteurs de croissance et ce qu'on appelle les interleukines, qui sont un groupe de protéines naturelles qui interviennent dans la communication entre les cellules. Ce qui fait que c'est avec ça qu'on va fabriquer donc le sérum. Et ce sérum, lorsque vous allez vous l'appliquer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement réactiver vos propres cellules, ce qui fait que votre système va donc se réactiver et c'est comme ça que vous allez obtenir des résultats de rajeunissement vraiment spectaculaire. Nous avons des tests, donc, alors ça agit dans différents domaines, ça va agir donc à réparer les cellules, ça va régénérer les tissus, ça va aider à réduire l'apparence des ridules et des rides, modifie la texture de la peau, etc. Nous avons ici une analyse qui a été faite juste avant le lancement, puisque nous avions fait faire des tests de laboratoire. 88% des femmes ont noté une amélioration globale de l'aspect de leur peau, 75% ont noté une amélioration dans la texture de la peau, 70% amélioration de la fermeté et de l'élasticité, et 70% ont remarqué une réduction donc de l'apparence des rides et des ridules. Alors, ceci étant, voici quelques témoignages. Cette personne que vous voyez est une personne qui travaille à la compagnie, vous voyez. La date, c'était même avant le lancement de la compagnie, puisque la compagnie s'est lancée en septembre, et avant de lancer, on a fait faire des tests à des personnes, etc. Cette personne qui travaille à la compagnie, vous voyez les résultats en peu de jours. Ici, une personne après un problème bien plus grave, comme on peut le voir,
Ici, quelqu'un qui a utilisé le sérum sur seulement la moitié du visage et qui a fait un contrôle au dermatoscope, et on voit donc une augmentation du collagène avec une diminution importante de l'inflammation et de l'acné. Ici, un témoignage sur l'acné également, 2 semaines après. Ici également, avant-après. Je crois que les photos parlent d'elles-mêmes. Ici, diminution au niveau des rides. Ici, après 30 jours sur une dame. Et ici, après 30 jours sur un homme. Et des témoignages comme ça, si vous allez sur YouTube, par exemple, vous allez en trouver des milliers, hein. Donc le produit est maintenant en circulation depuis 5 ans, puisque la compagnie a 5 ans, et je peux vous dire qu'il a changé la vie à des milliers et milliers et milliers de personnes dans le monde. Donc Lumineuse, c'est quoi? C'est un sérum anti-âge formulé qui contient donc ces fameux facteurs de croissance. À partir de là, on a décliné une ligne de produits complémentaires, car il est clair que si on va régénérer nos cellules, notre peau a aussi besoin d'être nettoyée, d'être nourrie, etc. Premier produit, un produit de nettoyage et de restauration. Tous les produits annexes sont aussi fabriqués à partir de la formule et contiennent aussi des bases de traitement cellules souches. Donc, ils vont permettre d'accélérer et d'améliorer le travail du sérum. Vous avez également une crème de réparation nocturne qui va travailler au niveau de l'ADN, va diminuer le raccourcissement des télomères, contient aussi des vitamines, etc. Un produit de très très haut de gamme. Le complexe d'hydratation journalier qui va hydrater votre peau. La crème corporelle, le corps étant aussi partie intégrante de l'être humain. Et bien sûr, l'être humain, bah, il est comme les véhicules, hein. Dans un véhicule, vous avez une carrosserie et vous avez un moteur. Si vous nettoyez constamment la carrosserie, mais que vous ne changez jamais l'huile du moteur, il est clair qu'à un moment ou l'autre, vous aurez des problèmes donc avec le véhicule. Alors pour ça, notre compagnie a mis au point, et avec des spécialistes du domaine médical, des produits qui vont aller traiter aussi l'intérieur donc de l'organisme. Le premier produit, il a été mis au point par le docteur Vincent Jean-Papa, chirurgien également en chirurgie plastique de très haut niveau. C'est un monsieur qui est en phase d'obtenir d'ailleurs un prix Nobel de médecine, qui a écrit des best-sellers dans le domaine du rajeunissement. Il est connu dans toute la planète pour ses études au niveau des cellules souches également. Ce médecin a fait un travail tout à fait exceptionnel et a mis au point 2 produits qui sont AM essentiel et PM. Donc, AM pour le matin, PM pour le soir, tout simplement. Alors, ces 2 produits travaillent au niveau des télomères. Alors, qu'est-ce que c'est que les télomères? Les télomères, ce sont des tampons protecteurs qui se trouvent à la fin de nos chromosomes, nos cellules. Et ces télomères, lorsqu'ils se divisent, nos cellules, vous savez que nos cellules se divisent en permanence, hein. Lorsque nos cellules se divisent, ces télomères ont tendance à se raccourcir de plus en plus. C'est ce qui fait qui produit le vieillissement. Et lorsque le télomère est complètement fini, quand il est totalement usé, c'est là qu'en principe, on a fini également notre vie de manière naturelle lorsqu'on meurt de vieillesse. Ce médecin donc a mis au point une formule qui va permettre de travailler au niveau de la télomérase, qui est un liquide, si vous voulez, qui s'active et qui va permettre de maintenir et de diminuer ce raccourcissement des télomères. Alors, AM agit sur l'organisme de manière extrêmement rapide. Vous voyez des résultats en 7 à 7 jours dès que vous commencez à le prendre. Vous avez une amélioration de réveil, d'énergie, etc. Et au bout de 12 semaines, vous constaterez des changements radicaux. Alors, c'est un produit qui contient également des nutriments, des vitamines, qui va donc travailler à la réparation de votre ADN. Et parallèlement à ça, il est accompagné de PM, PM qui travaille plus spécifiquement au niveau de la peau, en réduisant l'apparence des pores, etc. Vous avez une action aussi sur les ongles, sur les cheveux,
renforce la croissance des ongles et des cheveux, mais surtout, aide à réguler le biorhythme naturel de votre corps. C'est-à-dire que la journée, vous sentez de l'énergie et la nuit, vous allez dormir beaucoup, beaucoup mieux. Alors, voilà, je vois qu'il y a des gens qui témoignent sur le texte chat et qui nous disent déjà quelques informations sur les effets des produits. Alors, nous allons parler de Réserve. Réserve, c'est un produit miraculeux, un produit fantastique que je vous recommande à tous. C'est l'anti-vieillissement miracle du siècle. Alors, Réserve, c'est quoi? C'est un ensemble de jus de fruits, une sélection des meilleurs jus de fruits qui existent sur la planète, mais qui a la particularité de contenir une molécule qu'on appelle le resvératrol. Alors, le resvératrol, c'est quoi? Le resvératrol, c'est une découverte de Harvard. C'est un médecin qui s'appelle le docteur Sinclair qui a fait cette découverte suite à ce qu'ils appelaient le paradoxe, le French paradoxe. C'est-à-dire que des études démontrent qu'en France, dans certaines parties de France, il y a des personnes qui, malgré qu'elles mangent très gras, etc., n'ont pratiquement jamais de problèmes cardiovasculaires. Et donc, les Américains se sont intrigués de savoir le pourquoi, et ils ont découvert que dans ces régions, ben, on buvait du bon vin. Partant de là, ils ont analysé le vin venant du raisin, ils ont poussé les recherches jusqu'au raisin, et ont découvert qu'il existait donc une molécule dans la peau du raisin qui s'appelle le resvératrol. Cette découverte a été considérée comme l'anti-vieillissement miracle du siècle et la plus grande percée médicale qui a été faite depuis les antibiotiques. Alors, vous tapez sur Google le resvératrol et vous allez trouver des milliers d'études qui vous expliquent ce que c'est et ce que ça peut produire. Alors, Réserve, ben, ça produit beaucoup d'avantages, déjà une meilleure santé. Si vous avez du poids à perdre, ça va vous aider à perdre du poids, ça va accroître votre énergie, votre endurance. Si vous avez des amis ou des gens autour de vous qui ont des problèmes cardiovasculaires ou des problèmes de diabète, je vous recommande de leur parler de Réserve et de les convaincre d'essayer Réserve, car je suis sûr qu'ils vous en remercieront tout le restant de leur jour, particulièrement pour les problèmes de diabète. Je peux vous dire que c'est vraiment phénoménal, ça stabilise les niveaux de diabète, etc. Moi, j'ai déjà traité plusieurs personnes et j'ai des retours fantastiques sur ce produit. Réduction de rides, santé du cœur, etc. Réserve, un produit fantastique. Alors, vous avez ici quelques-uns des éléments qui composent Réserve. Vous avez le Concorde jus de raisin qui réduit le cholestérol, le jus de cerise noire qui soulage les douleurs articulaires et osseuses, la purée de myrtille qui est un des antioxydants les plus connus pratiquement, hein. Le jus de grenade qui est riche en vitamine B5 et en antioxydants, extrait de thé vert. Vous avez des extraits de pépins avec les fameux OPC. Tout le monde connaît les OPC maintenant. L'aloe vera, n'en parlons pas, tout le monde sait ce que c'est. Et l'acai extrait qui est riche en antioxydants, en antiosamiques, etc. Donc vous voyez que c'est un ensemble de produits exceptionnels et cette synergie globale a une action vraiment extraordinaire au niveau de l'organisme. Je vous recommande de le tester le plus rapidement possible si vous n'avez pas déjà commencé. Alors, Vidacel, c'est un produit un peu particulier. C'est un produit qui est un nutriment plutôt qu'un complément. Hein. C'est un nutriment qui va nourrir véritablement vos cellules. C'est extrait de graines de riz qui sont récoltées au départ de leur croissance, dès qu'elles commencent à pousser, c'est-à-dire au moment où elles ont leur niveau nutritionnel qui est au plus haut. Et ces graines de riz sont cultivées justement ici où je me trouve en ce moment, en Thaïlande, dans la vallée de Siam, qui est la région connue pour ses terres les plus fertiles au monde. Ce produit a été découvert par des chercheurs qui voulaient faire un produit alimentaire pour les bébés. Et lorsqu'ils ont commencé à faire tester le produit à des personnes, ben, ils ont eu un feedback époustouflant sur des guérisons, etc., sur des tas de choses. Donc, Vidacel, c'est pareil, c'est un produit très complet pour nourrir vos cellules, également avec des résultats probants sur les problèmes de cholestérol, sur les problèmes de diabète, etc. Un produit à essayer. Et enfin, la dernière découverte dans le domaine du rajeunissement, c'est le TA65, la dame qui s'appelle Carole
Carole Grinder, si je ne me trompe pas, Carole Grinder qui a fait cette découverte, a reçu un prix Nobel de médecine pour cette découverte. La molécule s'appelle le TA65 et elle est intégrée dans le produit que vous avez devant vous qui s'appelle Finity, mélangé à d'autres nutriments qui vont aller travailler aussi au niveau de la télomérase. Alors, cette TA65 a une particularité, c'est que elle va aller chercher non seulement elle va travailler au niveau de ces fameux télomères. Tout à l'heure, je vous ai dit que la MPM va ralentir le raccourcissement des télomères. La découverte TA65 fait que maintenant, on peut faire repousser le télomère. En l'occurrence, ce produit renverse complètement la tendance de vieillissement, c'est-à-dire que va mettre votre télomère à repousser. Alors, selon certaines statistiques, certaines études médicales, il semblerait que l'utilisation constante de ce produit peut amener quelqu'un à vivre jusqu'à 125 ans et plus. Bon, maintenant, on n'a pas de recul suffisant pour pouvoir en être certain, mais médicalement, c'est ce qui s'avère. Alors derrière tout ça, eh bien, il y a bien sûr quoi? Il y a une opportunité. Vous avez compris que là, nous sommes sur un marché extrêmement porteur. Nous vivons aujourd'hui dans une ère où nous sommes dans ce qu'on appelle l'époque baby-boom, où les personnes des années 50, 60, etc. sont des personnes qui sont généralement, bon, on vieillit déjà, on dure beaucoup plus longtemps que nos prédécesseurs, et on veut vivre, je dirais, beaucoup plus en bonne santé, beaucoup plus en forme, rester jeune, rester beau, etc. Il y a donc un marché tout à fait exceptionnel à développer et nous avons derrière ça donc une activité qui se développe à travers un concept de marketing de réseau. Alors, qu'est-ce que c'est que le marketing de réseau? C'est ce que je vous ai expliqué sommairement tout à l'heure. C'est tout simplement le principe de la recommandation, c'est-à-dire un consommateur satisfait qui va recommander un produit à ses amis, ses voisins, etc., qui, à travers ça, va pouvoir donc distribuer des produits et s'il le souhaite, va pouvoir se constituer un réseau de distribution, car peut-être ses amis voudront aussi eux-mêmes distribuer, etc. Et donc les compagnies mettent en place un plan de marketing qui va permettre à ceux qui le souhaitent de pouvoir développer un réseau mondial, sans aucune limitation ni numérique ni géographique, sous réserve bien sûr que les pays soient ouverts par la compagnie, et de gagner de l'argent, non seulement donc des ventes que nous allons réaliser nous-mêmes, mais surtout de l'ensemble des résultats qui seront développés par nos équipes dans nos réseaux. Alors, l'industrie du marketing de réseau est une industrie peu connue en Europe, puisqu'elle arrive maintenant depuis peu de temps à véritablement exploser à travers Internet, qui devient une vitrine mondiale. Mais sachez que vous avez ici les chiffres du syndicat mondial de la vente directe. C'est une industrie qui est en pleine croissance. Vous voyez que de 2010 à 2012, on a une croissance en millions de dollars, 78,6 millions en 2010, pardon, pour 89,7 millions, donc en 2012. En nombre de... Je vous ai dit une bêtise, d'ailleurs, là, je parlais de... Non, je vous ai dit, non, c'est les nombres de vendeurs ici, pardon, 78,6 millions de distributeurs pour 89,7 millions. Ça me paraissait aussi pour 80, donc 9,7 millions en 2012. En chiffre d'affaires, 139,8 millions pour 166,9 billions, pas millions, billions, hein, milliards en français. OK, on parle en milliards, hein, 139,8 milliards pour 166,9 milliards de dollars pour 2012. Et quant aux chiffres de 2012 à 2014, je peux vous dire qu'ils sont encore en plus forte croissance, mais malheureusement, nous n'avons pas encore les chiffres définitifs. Quant à l'aspect géographique où ce business explose, eh bien, le principal continent, c'est l'Asie actuellement, avec 44% de prise de marché pratiquement. C'est l'Asie est pratiquement le continent qui génère le plus de millionnaires en dollars. Notre compagnie jeunesse a déjà 27 millionnaires en dollars, je crois, ici en Asie. Ce n'est pas rien en moins de 5 ans.
Et vous voyez donc que les Asiatiques ont compris le système et ont dépassé pratiquement les États-Unis, qui est à l'origine le créateur. Et sachez que cette industrie, en 2011-2012, a supéré l'industrie traditionnelle américaine en taux de croissance, avec un taux de croissance de 5,9 contre 4% pour l'industrie traditionnelle. Donc voilà un peu l'idée générale de ce que représente cette industrie. Ce n'est pas une petite affaire de vente-vente qu'on vous propose. Nous sommes véritablement sur un marché astronomique avec une compagnie solide, fiable, des dirigeants qui ont démontré leur savoir-faire et dont l'intégrité ne peut être mise en doute par personne. Vous vous doutez bien que la NASA n'a pas choisi M. Loindiré par hasard pour la conception de ses logiciels. Il faut deux facteurs. D'une part, un facteur de connaissance informatique et d'une seconde part, une intégrité à toute épreuve, sachant que la NASA a des secrets que M. Loindiré approche obligatoirement en tant que concepteur des logiciels. Donc, partant de là, on va voir maintenant le plan de compensation de notre compagnie. Donc, lorsque vous démarrez dans cette compagnie, vous allez avoir différentes sources de revenus. La première source de revenus, c'est la vente, bien sûr, au détail, c'est-à-dire vous achetez un produit à prix de gros, vous le vendez au détail. Exemple Lumines, 83,95 $ prix d'achat distributeur, vendu prix public 134,95 $, 51 $ de commission immédiate. Alors, je précise que vous n'avez pas la nécessité de faire du stock, vous avez deux options pour vendre les produits, soit vous en achetez, vous les avez sous la main et vous les revendez, bien sûr. Soit vous pouvez envoyer vos clients sur votre site web. Chaque distributeur a son propre site personnel avec un shopping qui lui est propre. Ce qui veut dire que vous envoyez votre client, il achète sur votre site et vous recevez votre commission instantanément dans votre bureau virtuel. Alors, lorsque vous prenez la décision de rejoindre Genèse, vous allez être placé dans une matrice dite binaire. Alors binaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que vous allez être à la tête de deux équipes, une équipe gauche, une équipe droite, et que tout ce qui va se générer dans ces équipes va vous rapporter de l'argent d'une manière ou d'une autre. Alors la seule obligation que vous allez avoir pour gagner de l'argent dans ce binaire, c'est de sponsoriser vous-même deux personnes. Donc imaginez que vous trouviez deux personnes, comme à l'écran, ces deux personnes. On va leur apprendre à faire strictement la même chose, c'est-à-dire trouver elles-mêmes deux personnes. Et vous voyez que maintenant, là, vous avez quatre personnes au niveau suivant. Ces quatre personnes vont faire pareil, vous aurez huit personnes au niveau suivant, et ainsi de suite. Votre réseau va donc se dupliquer par deux et multiples de deux, et ça à l'infini, sans aucune limitation, ni numérique, ni géographique. Alors, numérique, ça veut dire ce que ça veut dire. Géographique, ça veut dire que peut-être demain, vous allez parler à votre voisine qui va rentrer dans ce business pour se faire un petit revenu complémentaire de 300 ou de 400 ou de 500 euros et elle est la bienvenue. Tout le monde a sa place dans cette activité. Maintenant, imaginez que cette brave dame a un neveu, par exemple, aux États-Unis, qu'elle contacte ce neveu qui, lui, est un visionnaire et qui décide de s'engager à fond dans cette affaire et de monter un réseau. Imaginez qu'il monte un réseau de 1 000 ou de 2 000 personnes ou de 10 000 personnes. Vous recevrez des commissions de toutes ces personnes qui sont aux États-Unis, même si ce n'est pas vous qui les avez trouvées, même si ce n'est pas vous qui les avez amenées, même si vous ne les connaissez pas et que peut-être vous ne les connaîtrez jamais. Voilà un petit peu la force du binaire. Autre aspect positif d'un réseau binaire, c'est qu'il soit binaire, justement. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Dans un réseau binaire, ben, ceux qui m'écoutaient ici, il y en a certains, je suis sûr qu'ils doivent déjà commencer à se poser la question, oui, mais comment est-ce que je vais faire? Moi, je connais plus que deux personnes. Hein, et il y a des inquiétudes là que je ressens jusqu'à moi. Hein, comment est-ce que je fais? Mais moi, je connais plus que deux personnes. Si je suis limité à deux, non, je vous rassure, vous pouvez sponsoriser au-delà de 2, 3, 4, 10, 100 personnes. Comment ça va se passer? Ça va se passer comme dans l'image. Si vous suivez la flèche verte qui nous amène sur une charmante demoiselle blonde, vous voyez qu'il est écrit premier niveau. Premier niveau, ça veut dire que c'est vous qui avez sponsorisé cette demoiselle. Et cette demoiselle, vous voyez qu'elle va se positionner sous un troisième niveau. Troisième niveau, ça veut dire quelqu'un que vous n'avez pas amené vous-même. Maintenant, imaginez qu'elle monte un réseau de 1 000 personnes, qu'elle passe de gros volumes d'affaires. Ces volumes d'affaires vont remonter à ce troisième niveau, au deuxième niveau, au premier niveau, à vous-même, à votre sponsor et à toutes les personnes en amont.
Là, bien sûr, on a mis trois niveaux pour une question de grandeur d'image, mais pour y avoir 100 000 ou 10 000 personnes, c'est la même chose. Maintenant, si vous regardez bien vous-même l'image, vous voyez que vous avez un sponsor. Votre sponsor, c'est la personne qui vous a invité aujourd'hui dans cette affaire. Et votre sponsor, il n'a que deux lignées aussi. Si votre sponsor passe à l'action et commence à sponsoriser des personnes, il n'a aussi que deux possibilités. Soit mettre dans l'autre équipe, soit mettre dans l'équipe où vous vous trouvez. C'est le cas, vous voyez, en suivant la flèche rouge qui nous amène sur une autre charmante demoiselle où il est écrit Spillover. Spillover, ce n'est pas le prénom de la demoiselle, c'est simplement l'action de recevoir des personnes dans notre équipe qui sont envoyées par les gens qui sont rentrés avant nous dans ce business. Alors, si vous comprenez bien ce que je suis en train de vous dire, je suis en train de vous dire que dans ce type de plan, tout le monde travaille pour tout le monde. Les derniers vont travailler pour les premiers travaillent pour les derniers, et cela va créer donc une synergie d'efforts collectifs qui va faire qu'à terme, là, vous allez gagner de l'argent plus facilement que si vous deviez construire la totalité de vos équipes, comme c'est le cas dans les anciens réseaux dits linéaires. Donc voilà la première chose à retenir. Ensuite, comment est-ce qu'on va calculer les commissions dans cette matrice binaire? C'est simple. Tous les produits, on leur attribue des points. Alors, si vous posez la question pourquoi des points, simplement parce que comme on travaille sur plusieurs continents, les monnaies sont différentes un peu partout. Donc, pour calculer de manière simple, la compagnie utilise des points. C'est plus équitable, les commissions étant les mêmes partout dans le monde. Donc, un produit vendu égale un certain nombre de points. Des packs de démarrage, quand vous démarrez dans cette affaire, on fait l'acquisition d'un pack de démarrage et ça va aussi générer des points. Si les personnes sont à gauche, vous marquez les points à gauche. Si les personnes sont à droite, vous les marquez à droite. Et vous avez deux compteurs qui surveillent en permanence les résultats de vos deux équipes. Et ces deux compteurs, chaque fois qu'ils vont voir 200 points d'un côté, non, pardon, 300 points d'un côté et 600 points de l'autre, vont déclencher une commission égale à 35 dollars. C'est ce qu'on appelle un cycle. Alors, ces cycles, vous les ferez au début un peu lentement parce que vous démarrez, etc. Puis après, avec la synergie du travail collectif, etc., ça peut s'accélérer de plus en plus vite. Vous pouvez faire des dizaines de cycles par jour. Et là, la compagnie nous a mis une limite qui est de 750 cycles par semaine, c'est-à-dire 26 250 dollars par semaine ou 108 000 dollars par mois. C'est le maximum que vous pourriez gagner dans cette partie dite binaire. Si vous dépassez, bien sûr, les volumes ne sont pas perdus, ils sont tout simplement reportés sur les mois d'après. Mais il y a une limite. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, les points des derniers remontant au premier, il va de soi que si la compagnie ne mettait pas de limite, elle pourrait être amenée à payer plus qu'elle ne reçoit. C'est la raison pour laquelle il y a cette limite. Maintenant, dans notre industrie, sachez que les limites n'existent pas. Dans notre industrie, il faut savoir qu'il y a des personnes qui gagnent beaucoup plus que 100 000 dollars par mois. Il y en a qui dépassent même le million de dollars par mois. Aussi, notre compagnie, elle le sait. Elle sait que, et c'est le cas en ce moment d'ailleurs, il y a de très très gros leaders venant de différentes compagnies qui ont rejoint Jeunesse, encore un aujourd'hui d'ailleurs, avec quelqu'un qui émane d'un autre réseau, avec 80 000 personnes dans son réseau, vient de rejoindre Jeunesse aujourd'hui. Il est clair que, donc, ne rentrerait pas sur un plan limité comme cela. Et pour compenser donc cette limitation qu'il y a dans le binaire, notre compagnie a mis en place une seconde partie de plan qui est un plan de carrière qui va permettre de récompenser l'effort personnel. C'est-à-dire que ceux qui travaillent plus, il est tout à fait normal qu'ils gagnent plus. Et pour ça, je vais maintenant rapidement vous survoler ce plan qui va vous payer jusqu'à 7 niveaux de profondeur selon une stratégie qui est relativement simple. Alors, soit, première étape, vous devez vous qualifier niveau Jade. Niveau Jade, ça veut dire avoir sponsorisé un total de 8 personnes dans votre organisation. Vous-même, hein, personnellement, vous sponsorisez 8 personnes, dont 3 doivent se trouver sur une des deux équipes. Ou alors, deuxième option, vous avez 4 distributeurs qualifiés. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un distributeur qualifié? C'est un distributeur qui a sponsorisé lui-même deux personnes, tout simplement. Donc, 4 qualifiés avec un d'un côté, également Jade, et vous recevez 20%. 20% sur le chèque, je dis bien sur le chèque, de tous vos distributeurs directs. Alors, ça veut dire quoi?
Ben c'est très simple, hein. Imaginez que vous sponsorisiez Jean. Jean, c'est donc votre distributeur direct. Chaque fois que Jean va faire un cycle, il reçoit 35 dollars. Il vous a généré aussi un certain volume de points qui vous remontent, qui vous permettent de faire des cycles si vous travaillez votre autre équipe. Mais le fait qu'il encaisse ces 35 dollars, la compagnie va vous donner à vous 7 dollars. Systématiquement, à chaque fois que Jean va faire un cycle, vous allez encaisser 7 dollars. Et ça, sur tous les gens, c'est-à-dire sur toutes les personnes qui se trouvent à votre premier niveau. Deuxième étape, ah pardon, je fais une petite parenthèse aussi avant, ces 20% peuvent s'augmenter à 25 ou à 30% si vous inscrivez des clients privilégiés. Alors qu'est-ce que c'est qu'un client privilégié? Un client privilégié, c'est un client qui souhaite recevoir un produit de manière automatique tous les mois. Imaginez quelqu'un qui veut réserve chaque mois. Vous pouvez l'inscrire comme client privilégié. Il va mettre sa carte bancaire et il va recevoir automatiquement son produit. On va lui débiter sa carte tous les mois. Ce client va bénéficier d'une remise qui peut aller de 10 à 20% selon. Et vous, lui et vous, si vous en avez 5, au lieu de recevoir 20% sur vos directs, vous recevez 25%. Et si vous en avez 10, vous recevez 30% sur vos premiers niveaux. Ça vaut la peine de faire un effort et d'avoir des clients privilégiés. Pardon. Distributeur Perle. Distributeur Perle, c'est avoir 12 distributeurs directs. Donc, vous sponsorisez 12 directs, dont 3 vont se trouver sur une des deux équipes, ou alors avoir 8 qualifiés, c'est-à-dire 8 qui ont fait 2, avec un minimum de 2 dans une des deux équipes. Et là, vous allez aller chercher la deuxième étape, c'est-à-dire 15% sur le deuxième niveau. Deuxième niveau, ça veut dire que Jean a sponsorisé, par exemple, Martine. Martine, vous ne la connaissez pas, vous ne l'avez jamais vue, mais chaque fois qu'elle va faire un cycle, même topo, elle encaisse 35 dollars, vous encaissez 15%, c'est-à-dire 5 dollars 25. Et ça, sur toutes les Martines, c'est-à-dire donc toutes les personnes qui se trouvent à votre second niveau. OK? Étape suivante, c'est une des étapes les plus importantes, c'est l'étape saphir, puisque après, tout votre business va découler de là. Hein, toutes les autres qualifications jusqu'à diamant vont dépendre d'un nombre de saphirs que vous allez avoir dans votre organisation et de volume d'affaires, tout simplement. Donc, être saphir, c'est quoi? C'est simplement avoir 12 distributeurs qui ont fait leurs deux. Simplement. 12 qui ont fait leurs deux avec 3 minimum d'un côté. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire 9 et 3. Hein. Vous pouvez faire 6 et 6, 5 et 4. Hein. L'important, c'est d'avoir un total de 12 avec 3 minimum d'un côté. Hein, je précise parce que à une certaine époque, les gens comprenaient qu'il fallait faire 3 absolument et ils se mettaient tous à faire juste 3. Donc non, vous pouvez faire 5, 5, etc. L'important, c'est 3 minimum d'un côté. OK? Et là, vous allez aller chercher 10% du troisième niveau. Troisième niveau, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que Martine va sponsoriser, par exemple, Jacques. Chaque fois que Jacques va faire un cycle, même topo, il encaisse son cycle, vous encaissez 10% sur la valeur de son cycle. Et ça va continuer après comme ça, vous avez d'autres étapes encore, mais je vous rassure, je ne vais pas vous garder pendant des heures pour pour vous disséquer le plan de marketing. Le reste, je vous l'ai dit, ce sont des étapes qui vont dépendre d'un certain nombre donc de saphirs. Il y a l'étape rubis, émeraude, diamant, double diamant, maintenant il y en a même plus, hein. Il y en a qui ont été rajoutés, mais cela fera l'objet de formations spécifiques au plan de marketing à mesure qu'on évoluera. Et ceux qui veulent en avoir les détails, vous pouvez aller sur notre site et vous pouvez télécharger le plan de marketing qui est malheureusement encore en anglais, mais qui est assez simple à comprendre. Voilà donc pour ce qui est de ce plan de marketing. Voici un exemple donc en partant de 12, puisque notre plan se démultiplie par 12. Voici un petit exemple. Avec simplement un cycle par mois et par distributeur. Je dis bien un simple cycle par mois et par distributeur. Donc imaginez que vous vous limitiez à 12 directs, hein, vous faites 12. Imaginez que ces 12 fassent comme vous, duplique 12, 12 fois 12, 144, et que 144 fassent 12, 1728 au troisième niveau. Vous voyez qu'au troisième niveau, la commission baisse, mais c'est là où on a la plus grande population, donc le plus gros potentiel.
Et que ça représente quand même pratiquement pas loin de 7 000 $ avec un simple cycle par mois et par distributeur. Et vous vous doutez bien que dans notre business, personne ne rentre pour faire un cycle par mois. Alors, on va voir maintenant comment on démarre dans cette opportunité. Alors, pour démarrer dans cette opportunité, c'est très simple. 29,95 $, c'est le droit d'inscription. Ce droit d'inscription a un renouvellement pour le cas où vous ne fassiez pas 360 points dans l'année, vous aurez 19,95 $ à payer de renouvellement. Mais pratiquement personne ne le paye jamais parce que 360 points, ça ne représente pas beaucoup sur une année. Donc, vous faites l'acquisition de votre kit de démarrage et vous allez ensuite faire l'acquisition d'un pack, un pack de démarrage qui va vous permettre d'avoir les produits immédiatement, de manière à les tester vous-même, puisque vous savez que nous sommes dans un business de recommandation et il est clair que pour recommander quelque chose, il faut au moins le consommer soi-même pour le connaître. Nous n'allons pas vous demander de devenir des spécialistes des cellules souches, ni des spécialistes des télomères. L'important, ce que vous allez partager avec autrui, c'est les bienfaits. Hein. C'est ce que vous aura apporté le produit, ce qu'il aura apporté à votre maman, à votre grand-mère ou hein, à vos amis, etc. Et pour ça, ben, il faut bien sûr commencer par tester nous-mêmes les produits. Donc, première base, vous avez un pack basique qui va donner 100 points dans la matrice, donc, et qui coûte 115, 150 €, pardon, en France. Hors taxe, je précise, la TVA, ça, en Europe, selon le pays où vous vous trouvez, vous paierez la TVA de votre pays. Okay? Ce pack va donner 100 points dans la matrice et va donner 25 $ de commission au vendeur, c'est-à-dire donc à la personne qui enregistre un filleul. Le pack suprême, 300 points. Par contre, le pack suprême vous qualifie pendant 60 jours comme perle, c'est-à-dire que c'est comme si vous aviez donc sponsorisé les 8 personnes nécessaires pour être perle et vous allez recevoir les bonus de 20% du premier niveau et de 15% du deuxième niveau. Et ça pendant 3 mois. Vous avez donc 3 mois pour confirmer votre qualification. Si à l'issue des 3 mois, vous n'y êtes pas parvenu, imaginons qu'il vous manque une ou deux personnes, ce n'est pas grave, on ne va pas vous faire recommencer à zéro. On va vous suspendre le temps que vous fassiez les une ou deux personnes qui manquent et vous retrouverez votre qualification de perle. C'est très très intéressant pour ceux qui comptent faire un démarrage rapide. Pack Jumbo, qui est encore plus intéressant puisque lui, il vous qualifie Saphir pendant 90 jours. Et vous recevez donc les commissions de Saphir, c'est-à-dire 20%, 15% et 10%. Ce pack va générer une commission de 200 $ à la personne qui le vend et il coûte, comme vous le voyez à l'écran, 592,87 € hors taxe. Le pack ambassadeur, qui est le pack pratiquement le plus vendu sur la planète, 500 points, et qualifie pendant 6 mois, Saphir, je dis bien 6 mois. C'est-à-dire que vous avez 6 mois pour faire 12 personnes qui en fait 2, vous voyez que ce n'est pas beaucoup. Paye 250 $ au sponsor, prix 785,73 €, avec un avantage, c'est que vous recevez un éventail de produits très 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 important, qui fait que si vous vendez rapidement les produits, vous avez récupéré la totalité de votre argent, et donc vous êtes tranquille. Ensuite, pendant 180 jours, qualifié Saphir. Et le pack Jumbo 1 an, qui est un pack adapté pour les vendeurs, c'est-à-dire les personnes qui ne veulent pas s'embarrasser d'une qualification mensuelle, etc., vont recevoir tous les produits à l'année, vont recevoir tous les produits à l'année, donc, et vont être qualifiés pendant 1 an. Nous avons une obligation dans cette affaire sur laquelle je vais venir maintenant, qui est de réaliser un volume d'affaires. C'est normal, nous sommes dans une affaire business. Et avant de vous en parler, je voudrais récapituler rapidement donc les points essentiels sur les packs. Pack basique 100 points, 25 $. Pack suprême 300 points, 100 $. Pack jumbo 400 points, 200 $. Pack ambassadeur 500 points, 250 $. Et pack jumbo 1 an, 1060 points, mais vous recevez seulement 400 points et ensuite tous les mois 60 points, ce qui représente la qualification que nous devons faire tous les distributeurs pour rester actifs dans le business. Ça représente l'équivalent d'un produit, soit un réserve, soit un Lumines. Grosso modo, c'est un achat de l'ordre d'environ 80 €, tout compris avec la TVA, le transport, etc. C'est la seule obligation que nous avons pour réaliser donc et rester actif dans le business. Alors, vous avez deux options. Vous pouvez le faire vous-même en achetant le produit pour vous et le consommer. Vous pouvez aussi le faire avec un client.
si un client, si vous avez des clients qui achètent sur votre site et qui génèrent les points, à ce moment-là, vous n'êtes pas tenu de faire vous-même cet achat. Il suffit donc de réaliser 60 points dans le mois pour rester actif. Alors, généralement, étant donné que on ne sait jamais si on va avoir un client qui va le faire ou pas, le mieux c'est de mettre une carte bancaire en autochip et de mettre votre autochip de manière, ce qu'on appelle de manière conditionnelle. Vous avez deux options d'autochip, vous avez conditionnel et inconditionnel. Vous mettez autochip conditionnel de manière à que le système vous regarde. Il voit que vous n'avez pas eu de client, il débite votre carte, il vous envoie le produit. Il voit que vous avez eu les points par les clients. Il ne débite pas votre carte et vous êtes qualifié avec les points qui ont été faits par les clients. Voilà, ça c'est une petite astuce que je vous donne. Sinon, si vous êtes consommateur comme nous le sommes tous en général, parce qu'une fois qu'on a commencé à tester les produits, on a envie de les consommer, je vous recommande de mettre un autochip tout simplement et recevoir un produit tous les mois que vous pouvez changer à votre guise. Pour recevoir vos commissions, vous allez recevoir une carte bancaire, pardon. Alors vous avez deux cartes, une qui est gratuite, qui est juste une carte de retrait pour retirer d'un distributeur, ou alors la possibilité d'avoir une Visa qui coûte 10 $, même pas, je crois, 7 $ ou un truc comme ça, et qui va vous permettre de retirer votre argent, que vous soyez dans le monde avec la Visa. Vous pouvez aussi payer au restaurant, payer sur Internet, etc. C'est une véritable Visa. Le compte va être ouvert aux États-Unis, donc dans une banque qui s'appelle NXPay, et vous avez accès, bien sûr, à votre compte via Internet. Hein. Vous avez aussi l'option, si vous le souhaitez, de faire virer vos commissions sur un autre compte. Hein, c'est vous qui décidez. OK? Voilà, donc, grosso modo, ce que j'avais à partager avec vous et à ce stade de ma présentation, j'aimerais vous parler un petit peu du momentum. Vous savez tous que pour qu'une opportunité soit bonne, il faut qu'elle s'identifie avec les tendances qui existent sur le marché. Notre compagnie, aujourd'hui, non seulement elle est sur une des tendances les plus fabuleuses qui existent, c'est-à-dire la tendance du rajeunissement et de la santé et de la beauté, mais en plus, nous avons la chance d'être dans la phase, je dirais, de ce qu'on en appelle le momentum, c'est-à-dire la base des 5 ans. Nous venons de fêter les 5 ans. Il y a eu un événement où il y a eu 15 000 personnes. Et je dois vous dire que, donc, nous avons dépassé la période de formulation, vous savez, les périodes où on tâtonne, où on met en place, etc., pour rentrer maintenant dans une période où véritablement le business va littéralement exploser dans le monde et avec une compagnie qui se donne les moyens de sa réussite. Pour preuve, pour ceux qui ne le savent pas, l'équipe qui réalise les vidéos et la communication vidéo dans Jeunesse Globale est quand même l'équipe qui a mis au point, qui a réalisé le film Les Pirates des Caraïbes. Donc une équipe de professionnels de haut vol, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui notre communication est tellement différente de tout ce qui se fait à ce jour dans d'autres compagnies. Le momentum, eh bien, le momentum, ça veut dire un moment exceptionnel aussi pour nous distributeurs francophones, puisque pour une fois, la compagnie va démarrer au niveau européen presque simultanément sur tous les pays. D'habitude, c'est nos amis allemands qui démarrent avant nous. On ouvre l'Allemagne, on fait beaucoup de monde là-bas, puis après ça vient en France, etc. Là, on ouvre simultanément la France, l'Allemagne, l'Italie, la Russie, etc. Bon, bref, tout part en même temps et nous avons cette chance d'être au départ donc de toute l'Europe, de l'Afrique. Et je ne vais pas dire de l'Asie, mais l'Asie, il reste encore beaucoup à faire. La preuve, j'y suis moi-même en ce moment en Thaïlande pour développer dans un pays où il y a rien que dans mon équipe plus de 5 000 personnes qui rentrent tous les mois et je vois tous les jours des dizaines de personnes qui n'ont même jamais entendu parler de jeunesse. C'est vous dire qu'il y a encore énormément de travail. Donc, bon moment. Et pour clôturer rapidement cette présentation, voici quelques personnes, pour ceux qui douteraient de la crédibilité de cette industrie, voici quelques personnes qui toutes recommandent l'industrie du marketing de réseau. Vous avez Monsieur Donald Trump, milliardaire américain qui a fait fortune dans l'immobilier et qui est quelqu'un que je respecte particulièrement puisque c'est quelqu'un qui non seulement a fait fortune mais a fait aussi faillite, a tout perdu et a montré qu'il était un véritable leader puisqu'après avoir tout perdu,
et avoir des milliards de dettes, il a remboursé toutes ses dettes et il a refait fortune à nouveau. Ça démontre donc quelqu'un qui a un mental, je dirais, de milliardaire. Et ce monsieur a écrit un livre avec Kiyosaki dans lequel il recommande quoi? Il recommande l'industrie du marketing de réseau. On lui a d'ailleurs posé à lui la question lors d'une émission télévisée de ce qu'il ferait s'il devait repartir à zéro, et sa réponse a été marketing de réseau. Vous avez M. Bill Clinton, ex-président des États-Unis, qui a dit que cette industrie véhiculait des valeurs fondamentales et qu'elle donnait aux gens la possibilité de profiter un maximum de la vie. Et ça, je crois que c'est une réalité, et ceux qui me connaissent savent que moi-même, je ne suis pas rentré dans le marketing de réseau pour, au départ, gagner de l'argent, puisque j'étais industriel, j'avais une très grosse compagnie de nettoyage industriel sur la Côte d'Azur. Je gagnais beaucoup d'argent, ça faisait 6 ans que je manageais cette compagnie, j'avais 35 salariés, j'avais autant de sous-traitants, mais, il y avait un mais, j'étais prisonnier. Prisonnier de mon entreprise, prisonnier de mon personnel, prisonnier du fisc français, qui n'est pas toujours gentil avec les entrepreneurs. Bref, je ne vivais pas. Je gagnais de l'argent, mais j'étais l'esclave de mon entreprise, jusqu'au jour où quelqu'un m'a présenté le marketing de réseau. Et là, ça a fait clic. J'ai tout laissé pour partir dans cette industrie. Et j'ai bien fait, puisque ça m'a permis de voyager, de faire le tour du monde, de pouvoir vivre où j'ai eu envie de vivre. J'ai vécu quelques années au Vietnam, au Portugal, en Espagne, en Bulgarie. Maintenant, je suis en Thaïlande. Et prochainement, je serai certainement ailleurs. Bon, ça me permet de travailler à l'heure que j'ai envie de travailler, de me coucher quand j'ai envie de me coucher, en quelque sorte, de travailler avec qui j'ai envie de travailler. Bref, des valeurs et des fondements que vous ne pouvez trouver dans aucun autre type d'activité. Vous avez Paul Zahnpilzer, un économiste de renommée mondiale, qui lui a écrit un livre qui s'appelle Les prochains millionnaires, que je vous recommande, il est traduit en français, et dans lequel il annonçait il y a quelques années déjà que rien qu'aux États-Unis allait naître plus de 10 000 millionnaires de l'industrie du marketing de réseau et de la vente directe. Et encore une fois, Paul Zahnpilzer s'avère être un véritable visionnaire. Il faut savoir que c'est la personne qui avait prévu la crise des années 80 avant qu'elle se produise. Et là, il annonce encore quelque chose qui est en train de se réaliser, puisque en 2013, sur 5 nouveaux millionnaires, 3 sont des gens de l'industrie du marketing de réseau. Et enfin, Tony Blair, lui, a dit que cette industrie contribuait au développement de l'économie et que c'était la seule industrie à l'abri de toute récession. Et ça, c'est une réalité également. Qui dit récession, dit personne à la recherche de nouveaux moyens de subsistance ou de moyens complémentaires de subsistance. Et aujourd'hui, avec la crise mondiale que nous vivons, et nous savons tous qu'elle n'est pas terminée, elle est loin de l'être, il est clair que des gens qui vont rechercher des activités complémentaires ou de nouvelles activités, il va y en avoir des centaines de milliers. Il y en a déjà des centaines de milliers. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on voit arriver de plus en plus de cadres supérieurs dans notre industrie, des bac plus 5, plus 10, des gens qui ont perdu des emplois de très haut niveau et qui aujourd'hui se tournent vers le marketing de réseau. Et je dois vous dire, pour en avoir beaucoup dans mes réseaux, que certains d'entre eux sont même contents. Je dis bien contents d'avoir perdu leur emploi, d'avoir été touchés par la crise. Et vous savez pourquoi ils sont contents? Ils sont contents parce que, quelque part, ça les a obligés à enlever leurs œillères et à regarder autour d'eux. Et à se rendre compte qu'il existe sur notre planète une industrie qui n'est pas nouvelle, qui est là depuis les années 50 et qui permet à n'importe qui, où qu'il soit sur la planète, quel que soit son niveau d'instruction, je dirais, quelle que soit son éducation, s'il est prêt à s'engager, s'il est prêt à payer le prix et s'il est prêt à apprendre, peut réaliser ses rêves et peut travailler à sa propre fortune, plutôt que de passer une vie parfois à travailler à la fortune d'un autre, d'un patron qui, même si c'est votre frère, votre père ou votre meilleur ami, si demain il est touché par la crise, va quand même devoir vous mettre au chômage, n'est-ce pas? Le marketing de réseau, c'est une solution, c'est une ouverture pour ceux qui veulent se protéger. Même si vous avez aujourd'hui une activité, je ne suis pas en train de vous dire quittez votre activité pour faire du marketing de réseau, loin s'en faut, bien au contraire. Je vous dirais plutôt faites du marketing de réseau tout en conservant votre activité. Et quand le marketing de réseau vous donnera des revenus qui seront 2 à 3 fois le salaire que vous avez actuellement, à ce moment-là, vous pourrez réfléchir vous-même si cette activité vous plaît, si vous êtes prêt à vous y investir. Mais ne quittez jamais votre emploi pour faire du marketing de réseau. Hein. Je tiens
à être très précis là-dessus. Marketing de réseau, c'est un travail de longue haleine. Si quelqu'un vous dit que vous allez devenir riche dans le marketing de réseau en 3 ou 6 mois, je vais vous dire que moi, je n'y crois pas. Par contre, si vous êtes prêt à donner 2 à 5 ans de votre vie à une industrie de manière sérieuse et consacrer du temps pour apprendre, ben vous allez apprendre parce que c'est un métier. Je ne sais pas ce que vous faites aujourd'hui dans la vie, quel que soit le métier que vous avez, que vous soyez peintre, boucher ou charcutier, vous avez dû apprendre pour arriver là où vous êtes et gagner de l'argent avec votre métier. Si vous êtes médecin, vous avez dû faire des années d'études avant de commencer à travailler comme médecin, n'est-ce pas? Ben dans le marketing de réseau, la chance que vous allez avoir, c'est que vous allez gagner de l'argent tout en apprenant. Et plus vous allez apprendre, plus vous allez acquérir de connaissances, plus vous allez acquérir de confiance. Et la confiance, c'est ce que l'on retransmet dans cette industrie. C'est avant tout ce que l'on ressent, la confiance que nous passons, qui fait que les gens vont nous suivre. Donc, partant de là, 2 à 5 ans, lorsque je vous dis 2 à 5 ans, c'est un plan d'action pour devenir un professionnel et arriver à changer littéralement votre vie et à créer un revenu résiduel qui peut vous permettre demain de passer des vacances si vous avez envie pendant 6 mois ou 1 an et de continuer à gagner de l'argent même si vous arrêtez de travailler. Ce qui n'est pas faisable lorsqu'on est dans une industrie classique, même si on est médecin, on échange du temps contre de l'argent. Dans l'industrie du marketing de réseau, on crée un effort pour construire une équipe. Et comme l'a dit Monsieur Jean-Paul Getty, je préfère 1% des efforts de 100 personnes que 100% de mes propres efforts. C'est là la réalisation et la force que l'on peut obtenir lorsqu'on crée un réseau. Voilà, je vous remercie à tous d'avoir participé à cette conférence. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous remercie à tous. Et je vous donne donc rendez-vous jeudi prochain à 20h avec beaucoup d'invités. Donc, n'hésitez pas, n'oubliez pas que les conférences sont là pour vous aider à construire votre affaire. Donc, profitez-en, invitez, invitez, invitez et venez nombreux. Donc, à jeudi et bonne soirée à tous et bonne fin de semaine à tous.